XOXO. My love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie, donc je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier de me suivre, vraiment de plus en plus. Voilà, vos messages sur Snapchat, Twitter, tout ça. Merci beaucoup d'être là, de vous abonner, de m'envoyer des messages, de prendre le temps de m'écrire, franchement. Vous me faites vraiment trop plaisir tous les jours et de ça. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça d'abord. Aujourd'hui, on va parler de mes nouveaux cheveux. Alors, bon, j'ai pas écrit de notes, du coup, on va essayer d'y aller de façon chronologique, genre comment c'est passé. Alors, première étape, donc il y a une marque qui m'a contactée, donc voilà, je suis honnête avec vous, une marque qui m'a contactée, pour en gros tester leurs mèches. Donc, j'ai dû choisir sur leur site, donc je vous mets une photo là de leur site. Et en fait, donc j'ai dû chercher des mèches, donc moi je voulais vraiment un truc bouclé, donc j'ai cherché, j'ai pris donc du coup ça. En plus j'avais trop peur parce que là je vais vous mettre une photo de la mannequin qui porte les mèches et on aurait dit elle avait pratiquement pas de cheveux, donc j'avais vraiment peur d'avoir ce résultat là, mais en fait au final pas du tout, donc je suis contente de mon choix. J'ai pris un paquet de 20, deux paquets de 18 et une closure de 16, donc c'est quoi la différence entre une closure et une lace? En gros une closure c'est genre je peux mettre que la raie là, un tout petit peu à côté, un tout petit peu à côté, vraiment genre je peux pas du tout faire une raie ici ou alors enfin là j'ai pas de raie en fait ici, donc vous voyez. Mais bon, je suis une personne, je mets tout le temps ma raie au milieu, nulle part ailleurs, du coup, bah ça me dérange pas, tant que ça en fait. Donc voilà, c'est juste qu'après, voilà, je peux pas vraiment les attacher ni rien. Ou alors, faudrait que je trouve comment faire pour que ça fasse vraiment naturel. Mais bon, ça, c'est un peu le point négatif. Bah, enfin, c'est, de toute façon, c'est le désavantage d'une closure, quoi. Mais bon, moi, en soi, la raie au milieu, j'aime bien tout ça, donc ça me gêne pas tant que ça. Donc ensuite, j'ai reçu les mèches. Donc, j'aurais pu faire la perruque moi-même, mais le problème, c'est que... j'en ai jamais fait et je voulais vraiment pas en fait faire ma première perruque moi-même sur des brésiliennes, genre non, genre non, genre imaginons je les aurais ratées, je m'en serais voulu toute ma vie quoi, d'avoir raté, enfin je sais pas, d'avoir gâché des mèches, genre j'avais vraiment peur de ça. Du coup je suis allée voir ma coiffeuse, donc FKB Capillaire, je vais vous mettre son Insta là. Donc elle m'a fait la perruque, elle me l'a posée aussi, elle m'a fait mes tresses collées parce que comme vous aurez peut-être pu le remarquer dans une demi-vidéo, je suis un peu nulle, hein. Non, franchement, je me suis grave améliorée. Je me suis grave améliorée, je vous promets, je me suis améliorée. Mais c'est pas encore ça. Mais en même temps, j'ai trop de cheveux, c'est une galère, je vous jure. Genre, je peux me battre, hein, faire des tresses collées, essayer de les faire fines et tout ça. Ce sera toujours hyper gonflé sur ma tête. Donc bon, je continue de m'entraîner. Mais bon, là, comme je voulais vraiment voir le vrai résultat, comment ça pouvait faire et tout ça, je lui ai demandé de me le faire. Donc elle m'a tout fait. La perruque, la pose, et franchement je trouve qu'elle a trop bien fait. Genre, je trouve ça hyper naturel vraiment. Genre je sais que quand je vais rentrer lundi en cours, tout le monde va dire « Oh mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Tu les as bouclés ?» Et je vous jure, non mais déjà pour mon ancienne perruque, « Oh tu les as lissés et tout, non non. » Et je trouve ça trop mignon, mais trop drôle. Genre je sais pas, au bout d'un moment faut quand même se poser des questions quoi. Enfin, comment mes cheveux ils peuvent passer de ce qu'ils étaient avant, crépus et tout, à ça? Ou alors mes cheveux qui m'arrivent genre ici quand ils sont crépus, genre ils m'arrivent jusqu'aux fesses après, genre des fois je suis choquée, genre les gens ils réalisent toujours pas. Mais bon bref, là je me suis un peu éparpillée là, j'ai l'impression. Elle m'a donné des petits conseils pour les entretenir, donc déjà elle m'a montré un leave-in, donc je vais vous le mettre là. Donc ce leave-in, ben c'est un leave-in normal hein. Moi aussi je peux vous en conseiller d'autres en vrai. Bon, on va en parler. Donc elle, je vais vous dire elle d'abord ce qu'elle m'a dit elle. Donc elle m'a dit pour les entretenir, tu prends un vapeau, donc dedans tu mets de l'eau et de l'huile d'avocat. Donc pour redéfinir les boucles et tout ça. Et voilà, et aussi elle m'a conseillé le leave-in. Ensuite, donc du coup moi ce que je peux vous conseiller en plus de ça, c'est que déjà les mèches sont des brésiliennes. Ça veut dire en fait, en vrai, ce sont des vrais cheveux, donc il faut vraiment s'en occuper comme si c'était des vrais cheveux. Donc, pour les entretenir, il faut faire des shampoings comme d'habitude, sans sulfate comme d'habitude. Donc, je pense que le but, c'est vraiment que ça nous... de les garder sur le long terme. Du coup, il faut bien les entretenir. Donc, avec des shampoings sans sulfate, des après-shampoings, toujours utiliser un après-shampoing. Il faut jamais négliger cette étape, vraiment. Pourquoi? Parce que vas-y, c'est compliqué un peu, j'ai pas envie de vous embêter avec le vocabulaire et tout, mais en gros, les cheveux, ils ont un pH acide. En général, le shampoing a un pH neutre, voire alcalin. Du coup, ça
abîme, enfin c'est ouais, ça les agresse un peu. Du coup, en fait, faut vraiment rétablir le pH naturel des cheveux parce qu'il se rétablit pas de lui-même. En fait, faut le faire nous-mêmes. Et c'est en fait là que l'après-shampoing intervient. Donc bon, peut-être vous avez un peu parlé chinois, mais en tout cas, retenez une chose, c'est que il faut systématiquement faire un après-shampoing. Donc voilà. Du coup, l'après-shampoing. Ensuite. Donc, utilisez un leave-in. Donc, soit vous pouvez utiliser celui qu'elle m'a recommandé. Moi, perso, avant, j'utilisais le Curl Ala de chez Aonjay Keys. Je sais pas comment ça se dit, mais je vais vous mettre une photo, un truc comme ça. Ou... Bon, il est un peu loin, j'ai pas mon temps, j'ai la flemme. Donc, je vous mettrai une photo. Donc, voilà, mais bon, je l'ai presque fini. Donc, je pense que là, je vais racheter le Kinky Curly. Bon, je sais plus c'est quoi la marque. Je vous mettrai aussi une photo. Et de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas. Je pense que je vais acheter lui plutôt parce qu'il a l'air vraiment bien bien bien. Genre j'ai eu que des échos positifs par rapport à ça, donc je pense que je vais l'acheter. Donc voilà. Donc ensuite le leave-in, donc à appliquer quand vos cheveux, en fait juste après avoir fait votre après-shampoing. Donc quand vos cheveux sont encore mouillés, vous mettez le leave-in. Et après avec vos cheveux, ça vaut pour tous les cheveux bouclés en vrai hein. Donc vos cheveux devant comme ça, vous prenez les pointes. En fait vous les remontez vers les racines comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vraiment ça qui va redéfinir vos boucles en fait. Donc voilà, mon petit regret, c'est que bah, peut-être que j'aurais même aimé avoir un quatrième paquet pour vraiment avoir une touffe énorme. Genre, j'aurais kiffé. Mais du coup, ma coiffeuse m'a donné une petite astuce contre ça. C'est genre, en gros, elle m'a dit, tu prends tes cheveux comme ça, tu les attaches comme ça en haut de ta tête. Comme ça, là, ces boucles-là seront encore définies. Et derrière, en fait, tu les brosses pour que ça crée du volume. Et après, donc, tu relâches là. Et donc, du coup, là, ça sera défini. Et derrière, tu auras du volume. Et ça sera ta grosse touffe, comme tu voulais. Donc, voilà. En fait, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que soit vous avez les cheveux très définis, soit vous avez beaucoup de volume. Ça vaut pour tous les cheveux bouclés aussi. C'est genre, soit c'est le volume, soit c'est vraiment la haute définition. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, c'est vrai que là, j'ai quand même pas mal de volume. Mais je pense que je vais quand même m'en rajouter un petit peu. Donc, voilà. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, au quotidien, du coup, comme elle a dit, un vapeau avec de l'eau et de l'huile. Donc, elle a conseillé d'avocat. Aussi pour les boucles, ce qui est bien, c'est l'huile de Piki, mais c'est un peu plus dur à trouver. Genre, je sais qu'il y en a sur Aromazone, mais après, je sais pas où on en trouve autre part. Alors que l'avocat, c'est vrai que c'est un peu plus simple à trouver, je pense. Donc voilà, huile de Piki, huile d'avocat. Bon, en vrai, n'importe quelle huile, mais de préférence celle-ci qui vraiment vont bien, bien, bien boucler les cheveux. Voilà, en plus, avec on peut tout faire, les lisser. Bon, après, je vois pas l'intérêt de les lisser pour le coup, parce que je voulais vraiment tout boucler. Donc, moi, en tout cas, je les lisserai pas. Mais en tout cas, si au bout d'un moment, vous en avez marre du boucler, vous pouvez les lisser, vous pouvez les décolorer, les colorer. Voilà, si vous devenez blonde, les cheveux rouges, machin, vraiment, pour faire tout ce que vous voulez avec ce type de mèche. Voilà, et donc au sujet des mèches aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire une vidéo dans 2 semaines. Parce que là, c'est vraiment mes premières impressions, mais je vais vous refaire une vidéo dans 2 semaines pour vraiment vous dire, genre 3 semaines après, parce que moi, je vais vous faire une vidéo... En fait, là, on est dimanche. Donc là, cette vidéo-là, je vous la poste vendredi. Ça veut dire, on passe vendredi d'après, mais vendredi qui suit, je vous referai en fait une vidéo pour vous dire, en gros, bah 3 semaines après, du coup, pour moi, ce que j'en ai pensé, si je suis toujours satisfaite des mèches, si au niveau de l'entretien, ce que je fais, ça marche et tout ça, vraiment, voilà, je vous ferai une sorte de deuxième vidéo de suivi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les trouvez belles ou pas, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, tout ça. Dernière chose, ah oui, je vous mettrai tout en barre d'infos, l'insta de ma coiffeuse, tout ce qu'il faut savoir sur le site. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je pense vous avoir tout dit. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et à la prochaine vidéo.